Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Alex The Blade Cat qui vous retrouve pour du Street Fighter 4, du Street Fighter 4, voilà. Pourquoi du Street Fighter 4? Parce que j'aime bien Street Fighter 4, voilà. Donc, oui, j'adore ce jeu. Et bah, je vous en avais déjà fait une vidéo. Alors, pour se réentraîner, on va se mettre en normal, 3 rounds, voilà, ça va être bon. Et qui c'est qu'on va prendre? Alors, bah tiens, j'ai bien envie de tenter Sagat. Sagat parce qu'il est, puissant. Contre un perso totalement random, voilà. Ah bah Dan, tiens. La dernière fois j'avais combattu contre lui aussi. Sagat il est puissant, quand on sait bien jouer, il peut battre Ryu Ken. Hein. En plus il a ses Tiger Shot qu'on peut mettre soit en haut soit en bas. Alors que je me rappelle ses touches, Saga je sais bien le maîtriser, hein, c'est un des seuls persos que j'arrive à, oula, à bien maîtriser. Même les ultra et les super. Tiens. Hop, punaise. Hop là. Oula. Non. Tiens. Aïe. Oh punaise, j'ai essayé la focus mais... Tiens. On soit ça. Aïe. Oh punaise. Alors là, faut tenter l'ultra là. On va essayer de le finir. Tiens. Tiger uppercut. C'est pas un ultra mais bon. Je sais plus comment on fait son ultra, merde. Bon. C'est juste pour se rentraîner un peu, hein. De toute façon, je ne prétends pas connaître tous les coups de tous les persos et puis les maîtriser. Je vous avais dit que dans Street Fighter 2 Turbo que j'ai sur Super NES, mes persos préférés étaient Honda, Blanca et Dalsim. Là, dans ce SF4, clairement pas. Hein. Clairement pas, donc Sagat et Kami, si je peux réussir à bien les maîtriser, ça sera déjà ça de fait. Oh non, je me le bouffe. Non. Tiens, voilà. Je t'arrête dans tes pirouettes. Bon, c'est pas difficile de gagner contre l'IA en normal. Hein. Voilà, on va se faire quelques petits combats et puis pourquoi pas finir avec un défi. On va tenter Camille. Contre random dans un univers random. Ah Rose. Oh le stage, je l'aime bien celui-là de stage. Ah. Ah punaise. Tiens. Ah ouh. Aïe, c'est pas vrai. Alors ouais, elle peut se battre à, voilà, à distance, donc faut que je fasse gaffe à ces boules de feu. Oh non, elle me chope. Non. Ah, l'ultra qui fait mal. J'ai essayé de lui caler le mien. Voilà. Tiens. Ouais, ultra finish. Voilà, ça t'a plu? C'est parti pour le deuxième round. Aïe! Ah punaise, j'étais trop loin. Ah comment on fait le cannon spike? Voilà. Ah punaise. Non je me la prends. Non je me la prends pas. À mon tour. Et super finish. Je t'ai eu. Bon. Moi j'aime bien faire un petit peu de Street Fighter 4 comme ça. Voilà.
on va changer, on va prendre quelqu'un d'autre, on va prendre Feilong, tiens. Feilong que j'ai du mal à... Je comprends pas comment un perso comme ça peut se trouver dans Street Fighter, mais bon, c'est comme ça. Feilong, c'est un acteur, hein, et un petit peu genre Jackie Chan ou Bruce Lee, hein. Et bah, il a pas de pouvoirs spéciaux comme Ryu Ken, quoi. Il peut faire des... C'est pas des uppercuts, il peut faire des Shoryu enflammés comme Ken, mais voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose, quoi. On va se battre là, tiens. Contre Balrog. Ouh, punaise, Balrog, il tape fort, il tape dur. Je vais galérer. Surtout que Feilong, c'est pas un perso que je maîtrise super bien, quoi. Mais on va essayer de gagner. Oh punaise, il a cassé ma focus. Ah! Comment on fait son ultra à lui? Oh punaise, ça servait à rien. Ah punaise, je vais perdre. Comment on fait son ultra? Merde, je sais plus. Ah. Ah, j'étais pas loin de gagner pourtant. Aïe. Oula. Tiens. Voilà, ça c'est... Aïe. Non mais oh. Oula, ça c'était beau ça. Cette esquive. Oula, je continue. Oula, ça fait mal. Oula. Tiens, tiens. Aïe. Non mais oh. Voilà. Ouh. Ouh. Le poids enflammé du dragon. Ouh. Ou du tigre, je sais pas. On se l'a fait à la Bruce Lee. Aïe. Contre boxeur. Je crois qu'il s'appelle boxeur dans les versions américaines ou japonaises. Et non, M. Bison, voilà. C'est lui, Bison. C'est pas Bison comme on connaît nous. Français. Oh la vache. Tiens, la chope. Focus. Et voilà. Parce que j'attends pas que tu te relèves. Non mais non. T'as osé me gagner un round, alors là, la vengeance du chat noir. C'est un plat qui se mange chaud. Un vrai génie utilise ses aptitudes naturelles. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça. ouais, bah on va aller faire un petit peu de défi. Défi, sont là les défis. Survie, ouais, j'en suis où? J'en suis là. Voilà. On va essayer avec Sagat. Sagat Africa. Désolé, fallait que je la fasse. Rufus. On va tataner de la bedaine. Aïe. Tiens. On est haut. Hop là. Ouh. Tiens, tiens, tiens. Oh punaise, je me la bouffe. Ah. Bon, ça va. Ça m'a pas enlevé énormément de vie. J'enchaîne. Oh punaise. Non mais oh. C'est pas vrai ça. Tiens. Oh, destruction. Ah, ça marche pas. Aïe. Tiens, je vais te calmer toi. Tiens, voilà. Ah oui, c'est vrai, je suis en survie, merde. Il me reste pas de... Ouais, ça a pas remonté de beaucoup, hein. Ouais, je vais pas tenir, je pense, tout le défi. C'est pour ça que j'avais perdu, parce que quand je gagne un défi, je tente le suivant, jusqu'à ce que je perde, et là, ça devient vraiment chaud, quoi. Tiens.
Oh la vache. Tiens. Plus percute. Tiens. Aïe. Non mais oh. Oh la vache. Je me la bouffe pas. Je me la bouffe pas. Tiens. Aïe. Ah punaise. Aïe oh. Tu vas te calmer toi. Hop là. J'essaie tous les coups au hasard. C'est affreux. Ouh la vache. Oh le Hadouken. Oh le Hadouken. Ah non. Ah mais c'est pas vrai. Faute de pouvoir réussir. On va le buter lui et puis comme ça c'est réglé. Hein. Once again, victory is mine. You win. Ouais, je suis mid-life. Ouais, même à 45%. On va essayer de tenir ça stage. Faute de mieux. Tiens, voilà. Aïe oh, oh toute la bouffe. Ouais. Oh la vache. Fais pas tes mille mains, fais pas tes mille mains. Mets-moi pas de claque. Aïe. Oh comment il a cassé ma focus. Aïe 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 aïe. Non. Non. Bon bah écoutez, c'est avec ça qu'on va conclure hein, une petite vidéo comme ça sur Street Fighter 4. Juste pour le plaisir, moi je me suis bien éclaté en tout cas, j'espère que vous aussi. Et bah, si vous en voulez encore, je vous en ferai à l'occasion. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous retrouve pour de prochaines aventures. Allez, à plus. Street Fighter 4. Voilà, on pouvait pas se quitter sans un Street Fighter 4.